Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance du conseil de février virtuel encore ce mois-ci. Presque un an qu'on fait des conseils virtuels. Good evening everyone and welcome to our February council meeting. Virtual event again tonight. I am the only one here at City Hall. Mais je suis accompagné de notre conseil, Madame Catherine Clément-Talbot. Bonsoir. Madame Louise Leroux. Bonsoir. Monsieur Yves Gignac. Bonsoir, good evening. Et Monsieur Benoît Langevin. Bonsoir à tous. Je remercie aussi mon directeur d'arrondissement, Monsieur Dominique Jacob, qui est avec nous ce soir, ainsi que les directeurs de nos services respectifs de l'arrondissement. Thank you all for being with us here tonight. J'espère que vous êtes tous restés en santé et respectant les règles d'hygiène sanitaire et de protection telles que le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique ainsi que le couvre-feu qui semble avoir des effets bénéfiques sur les résultats quotidiens de cas recensés. Nous gardons le cap à l'arrondissement pour limiter les activités qui pourraient inciter les citoyens à baisser la garde et se mettre à risque. J'en profite pour offrir nos sympathies aux familles des victimes de la COVID et vous prie d'observer un moment de recueillement avec moi en leur mémoire. Merci. Dans les circonstances, la seule installation qui est ouverte et qui vous accueille en suivant les règles strictes est la bibliothèque de Pierrefonds. Nous communiquerons dans les prochains jours les nouveaux services qui seront offerts. So the only service that is available to the public at the moment is our public library, our Pierrefonds library. And more information will be communicated through our different social feeds and website in terms of any new services that will be beginning soon. Je vous informe aussi que de nombreux services sont maintenant offerts en ligne. Mais si toutefois vous souhaitez rencontrer un agent de service à la clientèle ou un agent de bureau de permis, sachez que les comptoirs sont ouverts pour vous accueillir à la mairie toujours dans les règles de l'art. Le port de masque est obligatoire. Des mesures de protection du public et des employés ont été mises en place pour vous servir en toute sécurité. So our borough offices here are open for certain services. We have frontline services available to you here at the front counter. And you can always, of course, go online to obtain services. However, should you need to meet someone here, for a permit or anyone at our counters, you are able to do so, of course, practicing all these sanitary measures as outlined by the health minister. Nous sommes extrêmement fiers de vous offrir des activités à la bibliothèque pour souligner le mois de l'histoire des Noirs qui a été lancé le 1er février. Des suggestions de lecture sont présentées. Vous pouvez aussi consultez aussi le site internet montréal.ca pour connaître la programmation complète de la ville sur ce thème. So we are extremely happy that we are able to offer the different activities at our public library for Black History Month, which started on February the 1st. As I've always said, and we've said here in the administration, Black History Month should be all year round and not one month, as we've demonstrated with different activities throughout the year. However, we have a series of activities that have been planned for this month, and I thank the West Island Black Community Association for partnering with us and collaborating with the different events that are planned throughout our community. Et comme j'ai dit, le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs, et chaque année, partout au pays, les citoyens sont invités par des célébrations qui soulignent
le patrimoine des Canadiens noirs et de leur communauté. Et cette année, le thème est « L'avenir, c'est maintenant ». Février est aussi le mois de la persévérance scolaire qui se déroulera entre le 15 et le 19 février 2021. Et pour l'occasion, nous vous décidons de rendre hommage à un citoyen qui habite notre secteur depuis plus de 40 ans. C'est M. Marc-Arthur Joseph. M. Joseph est arrivé au Canada le 29 décembre 1973. Il voulait s'établir ici à Montréal avec sa femme et en 1981, il est littéralement tombé en amour avec le secteur de Roxborough et a décidé de s'établir ici. Il fut l'un des premiers Noirs francophones à déménager dans le secteur. Cela n'a pas empêché M. Joseph de s'impliquer dans la communauté. Il a toujours fait du bénévolat, encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Il s'investit pour le bien des citoyens. En 1984, il a commencé son implication comme parent bénévole à l'école Lalande. Il faut souligner qu'il est toujours membre bénévole du conseil d'établissement de cette école. Il s'est impliqué comme commissaire scolaire dans la commission scolaire Baldwin-Cartier à l'époque pendant 12 ans. Il a même mis sur pied le conseil provisoire de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Je passe la parole maintenant à Mme Louise Leroux. Bon, mon micro. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, je continue en disant qu'en 1990, Monsieur Joseph a décidé de cofonder le club optimiste de Roxborough. Il a aussi été reconnu pour son engagement dans l'organisme Six Mois, qui aide les citoyens dans la francisation. Lui et sa femme se sont connus en Haïti, tous les deux étant enseignants. Ils ont eu 3 enfants, dont une de leurs filles enseigne à l'occasion à l'Université de Montréal. Le domaine scolaire a toujours eu une place très importante dans leur vie. Monsieur Joseph s'est toujours impliqué dans la communauté, autant au Québec qu'en Haïti. Avant de quitter son pays d'origine, il a cofondé l'OBNL, Amical Sacré-Cœur Canada-Haïti. Encore aujourd'hui, cet organisme communautaire permet à davantage de jeunes d'être éduqués en mettant sur pied des programmes d'aide à l'écolage, en créant des bourses pour des programmes d'études supérieures et en encourageant les inter-échanges de coopération Canada-Haïti dans le domaine de l'éducation et en aidant à l'amélioration des infrastructures tant physiques que techniques. L'organisme soutient les élèves qui viennent étudier au Canada en créant une structure d'accueil et en encourageant toutes les activités connexes qui visent à encourager l'épanouissement des jeunes haïtiens. On peut certainement dire que M. Joseph a à cœur l'éducation et la persévérance scolaire. Nous tenons à remercier M. Joseph pour toute son implication à travers les années dans notre communauté et je porte fièrement le ruban vert pour la persévérance scolaire et je salue le travail exceptionnel de M. Joseph dans notre communauté. Merci beaucoup, Mme Leroux, et félicitations à M. Joseph. M. Joseph, on se connaît des décennies depuis les années de Roxborough. Et je vais vous dire, on a une tradition ici à l'arrondissement pour signer le livre d'or en occasion. Et après la pandémie, on va faire ça correctement ici dans la salle du conseil avec le conseil et l'administration pour souligner vos années de service auprès de notre population. Merci encore, M. Joseph. Mme Leroux, merci beaucoup. Depuis plusieurs années, même des décennies, que la construction d'un complexe aquatique et récréatif se prépare. Eh bien, voilà, c'est devenu un projet concret qui s'entame
dès la semaine prochaine avec des travaux préparatoires sur le site choisi, qui est le terrain adjacent à la mairie, là où se trouvait l'ancienne aréna de Pierrefonds. Des forages auront lieu sur le site afin de faire des analyses de sol. Nous sommes extrêmement heureux de voir ce projet prendre son envol. Une construction est prévue en 2023 et une ouverture en 2025. So, this is extremely positive news for us because for those of us that have lived in Pierrefonds Roxborough for many years, we know that the Aquatic Center, Recreation and Aquatic Center, has been something that we've been talking about for many years. And we are finally now at the stage where we are already beginning the preparation work on site, which will be next to the City Hall, where the old arena used to be, basically in that area. And soil samples will begin very shortly for a construction to begin in 2023 and the final recreation center open by 2025. So yes, we are there as an administration making this happen while we're here. However, it goes without saying that there have been many, many individuals behind the scene through the years that have worked tirelessly to achieve this project that this community has been in need of for really decades. And finally, we're able to make sure that we can give that back to the community. Les comptes de taxes seront postés dans les prochaines semaines, mais je vous rappelle qu'ils sont payables les 1er juin et 1er septembre seulement, au lieu du 1er mars cette année, pour donner un répit aux propriétaires et commerçants. So again, as it was announced on our social media feeds and on our website, and as you may have heard already, the municipal taxes are usually due on the 1st of March. However, this year, to give a break to folks that may have been going through a difficult time, we have extended now the payment, the first payment on June 1st and the second one on September the 1st. All the information, of course, can be found on our website. Le gouvernement a annoncé la réouverture des commerces à compter d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux au moment de faire vos emplettes et pour obtenir les services. Ils ont besoin de nous, plus que jamais avec toutes ces fermetures qu'ils subissent depuis un an. Profitez du service de nos restaurants également qui cuisinent pour nous. Les repas sont disponibles à la livraison ou pour emporter. So again, the government announced the opening of non-essential services as of today, and we encourage you to visit the many small businesses in our community, including the restaurants that need us more than ever, and for the restaurants that are not open for in-house dining, of course, you can order for delivery or to pick up. We also take that some time to thank all these folks for working tirelessly in our community, and we will do whatever we can to help you collectively get through this pandemic. Saviez-vous que à Pierrefonds Roxborough accueille le tout premier halte chaleur dans l'ouest de l'île de Montréal? Pour les personnes en situation d'itinérance et d'instabilité résidentielle cet hiver, si vous connaissez des gens dans le besoin qui vivent dans la rue, n'hésitez pas à les référer à notre refuge situé à 5100 avenue Château-Pierrefonds. Il est ouvert de 19h à 8h. Des intervenants sont sur place pour les accueillir et leur offrir une place pour dormir au chaud grâce à l'implication de l'Action Jeunesse de l'Ouest de l'île et la collaboration des CIUS du Sud-Ouest et de l'Ouest de l'île. So, for those of you that may not know, there is now a warming center available in Pierrefonds. It is situated on Château-Pierrefonds 5100, and it is available for those that are homeless or those that are living housing instability. So if you know of folks that may be going through this difficulty, please refer them to this location.
And I thank once again Action Jeunesse de l'Ouest de Lille and our CIUS de l'Ouest de Lille as well as Sud-Ouest for providing the necessary resources for the folks in need in this location. And if you noticed in that area in the last day or so, signage has gone up, directional signage has gone up in the area to direct the public to this location. There are many folks that are working behind the scenes as well, volunteers included, that are doing an incredible job trying to provide services to the most needed. And so I pass this over to Monsieur Langevin pour vous donner quelques informations. En plus d'un service de halte chaleur qui va être disponible, qui est disponible maintenant, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'on continue les travaux de travail de rue dans l'arrondissement, mais aussi en périphérie de l'arrondissement. On travaille aussi avec les milieux scolaires, que ce soit l'école des sources, que ce soit Jean 23, les écoles, que nos jeunes qui vivent dans l'arrondissement, qui dans le fond migrent dans différents territoires pour venir en aide. Il y a vraiment un continuum d'intervention qui est mis en place, qui pour moi est essentiel pour justement répondre à une panoplie de problématiques. Aujourd'hui, on passe encore un dossier également sur la problématique des gangs de rue. L'arrondissement Pierrefonds-Roxboro va avoir des outils, des mécanismes d'intervention pour prévenir l'adhésion de certains jeunes aux gangs de rue. Donc, tout ce type d'intervention-là est fait de façon concertée avec les différents organismes jeunesse qu'il y a dans l'arrondissement, avec qui l'arrondissement est partenaire sur différentes missions. Je vous invite fortement, chers concitoyens, à entrer en contact avec moi-même ou les services si jamais vous voulez avoir davantage d'informations sur l'offre de services comme organisme communautaire local. Sur ce, je vous repasse le micro, M. le maire. Merci, M. Langevin. Le centre de dépistage de la COVID est toujours ouvert au centre communautaire Jerry Robertson les mercredis et les samedis de 10h à 17h. À l'apparition du moindre symptôme, n'hésitez pas, surtout pas, à vous y présenter pour passer le test de dépistage qui permettra peut-être de ralentir la propagation de virus autour de vous. The testing center, the COVID testing center, continues to stay open at our community center, Jerry Robertson, on Wednesdays and Saturdays from 10 to 5. At the slightest symptom, we encourage you to present yourselves and get tested, and of course, to follow all the directives thereafter to stop the spread of this virus. Encore, je remercie le CIUS de l'Ouest de Lille pour la collaboration pour ce projet chez nous à Pierrefonds-Roxboro, surtout dans un secteur très vulnérable. J'aimerais vous rappeler qu'il y aura une première séance d'information sur l'arrivée des travaux d'aménagement du REM dans notre arrondissement le jeudi, qui est cette semaine, 11 février à 18h30. Naturellement, cette séance se tiendra virtuellement. Vous pourrez la suivre en direct en vous connectant sur le lien publié sur notre page Facebook, mais aussi vous pourrez aussi poser des questions. Il faut s'inscrire au préalable à rem.info/événement. I'd like to remind you that the first information session for the eventual REM train stations and the eventual REM line, the Montagne line, in our borough will be held this Thursday at 6:30 p.m. Of course, it will be held virtually, and you can follow this session online. And you can also ask questions by registering in advance at rem.info/événement. C'est aussi en vous branchant sur le site REM Info que vous verrez l'échéancier des travaux, le design des deux futures gares de Sunnybrook et de Pierrefonds-Roxboro et beaucoup d'autres informations qui se grefferont au site au fur et à mesure de l'évolution du projet. So we encourage you as well to go to the REM website,
to not only see up-to-date information, but to see the planning process for the two future stations at Sunnybrook and Pierrefonds-Roxborough, where a lot of information will be added as we go along in real time to keep us up to date. J'aimerais finir en soulignant quelques journées symboliques du mois de février. Aujourd'hui, le 8 février, est la journée mondiale de réflexion sur la traite des êtres humains. Le 14 février est la fête de Saint-Valentin. So for those that have a significant other, a reminder not to forget this day, as it is very important to many. Le 18 février est la journée mondiale du patrimoine canadien et nous sommes toutes et tous fiers de la richesse de notre patrimoine social, culturel, historique, architectural et naturel. Le 20 février est la journée mondiale de la justice sociale. Le 21 février est la journée internationale de la langue maternelle. Le 22 février est la journée mondiale du scoutisme. Et le 28 février est la journée mondiale dans Facebook, si vous pouvez imaginer. Je passe la parole maintenant à Mme Catherine Clément-Talbot. Votre micro, Mme Talbot. Non, le micro ne fonctionne pas. Regardez, c'est un problème technique. Je vais le faire, Madame Talbot. Essayez une autre fois, juste pour voir si ça va fonctionner. C'est la technologie et c'est malheureusement... Madame Talbot, est-ce qu'on vous attend? Non. Non. Ah, oui. Non, on a attendu, puis maintenant, on n'attend rien. C'est bon. Moi, je ne vous entends pas beaucoup, mais je vais vous dire ce que je peux. C'est un départ très difficile. Madame Corbeil nous quitte. Alors, chère Suzanne, c'est avec tristesse, on va vous manquer. Au comité consultatif d'urbanisme, vous étiez souvent la personne à qui je référais pour avoir des informations supplémentaires. So every time I had some information to get from you at the Urban Planning Committee, you were there to give me some answers, to put us back sometimes on the track. Madame Corbeil est aussi une membre de la communauté très active, très familiale. On la retrouvait avec sa famille dans les activités de soccer et autres. Sa fille fréquentait l'école. She left us for only a certain period for the birth of her daughter and to take care of her in the at the beginning of her life. So it's with lots of emotion, I would say, that we leave you, that qu'on vous laisse. Après 35 ans, Madame Corbeil, c'est beaucoup. Et la belle carrière que vous entreprenez, vous restez dans la ville de Montréal, vous gardez une tâche dans notre belle ville de Montréal, mais plus dans Pierrefonds. So we're going to miss you. Un autre départ aussi que je dois souligner, c'est Éric Massy. C'est le départ de Éric Massy. Éric Massy was doing the presentations mostly with the Urban Planning Committee and also sometimes at our Borough Council. Alors, M. Massy nous laisse. Bonne chance. M. Massy s'en va à Verdun. Il demeure dans les mêmes fonctions. Alors, merci à ces personnes qui ont aidé Pierrefonds à devenir ce qu'il est, pas à pas. Merci infiniment de votre présence. Et excusez-moi pour ce problème technique. Merci, Mme Talbot. Effectivement, je remercie aussi sincèrement Éric Massy, quelqu'un de grande qualité, de l'aménagement urbain qui nous laisse pour une autre opportunité, un autre défi dans sa vie professionnelle. Il va nous manquer beaucoup pour son expertise, bien sûr, mais on souhaite bonne chance à Eric
pour les nouveaux défis. Je voudrais aussi remercier ce soir une personne qui a voué 35 ans à notre arrondissement, dotée d'un professionnalisme hors pair et d'un dévouement exemplaire, qui est Mme Suzanne Corbeil. S'envole vers de nouveaux cieux pour relever d'autres défis au bureau de l'inspecteur général de Montréal. Suzanne, je vous souhaite le meilleur dans vos nouvelles fonctions. Un autre merci à la population de Pierre-Fond-Roxborough qui continue à faire preuve de solidarité et d'entre-gens, puisque toutes les places horaires sont comblées pour la collecte de sang prévue pour demain au Centre culturel par Emma Québec. So again, there's two items there. One is to thank the residents of Pierre-Fond-Roxborough for always coming through in our blood donor clinics that allows EMA Quebec to carry on the extraordinary work that they do. But on a personal level and a professional level as mayor, I take this opportunity to thank sincerely Suzanne Corbeil, who is leaving us for another challenge as well after 35 years of devoted service to our community. Someone who has been a pillar in the administrative staff and has shown professionalism in her career all these years, and has always worked for the betterment of our administration, but also to allow for our residents to have all the information necessary and to help us as council as well, give us direction and allow us to do the work that we do every day. And I wish you great luck, Madame Corbeil, in all your future endeavors, and hope that you don't forget us and you come back and visit from time to time, as you have been a part of this infrastructure here in Pierre-Fond-Roxborough, but also in part of as part of the family as well. We will truly miss you, and we wish you the greatest of luck. Sur ça, ça nous amène à la période des questions des citoyens. Merci. Alors, la première question nous vient de Madame Nadia Lally. I have lived in Pierrefonds for about 20 years and really appreciate the wooden lot on Anselme-Lavigne and Richemont. It was one of the main characteristics that attracted me to the neighborhood. I, like many others on this community, would like to maintain the aspect of our neighborhood, maintain our sense of place and health, preserve the beauty of our precious green space that has become rarer and rarer these days, and protect its wildlife. Many residents were not even aware of this proposal to build a 350-unit seniors residence. Would it be possible to explore other territory and consult the community's residents through a survey or vote on such an important proposal? Thank you very much for your question, Madame Lally. I appreciate you taking the time and voicing your concern, a concern that we all share here in the administration and in our borough council, a concern that we've had for quite some time now. Let's be clear on a few things here. The property belongs to, it's a private entity that owns the property. The stage that we're in right now is an extremely preliminary stage that allows us and the citizens that are concerned to look at a proposal to modify the zoning in that area to potentially accept a seniors residence of this magnitude. There has been no proposal for a project submitted to the borough for any acceptance or consultation. We are at the preliminary stage to look at the possibility of changing the zoning for this eventual future use. We have been concerned with this lot as well for a number of years. We have looked at opportunities with Montreal to buy this property, and we plan to continue to work with Montreal to be able to look at what the future looks like for this plot of land. We also understand the value that it holds to the residents specifically that live there. We understand the environmental impact in putting a building of this magnitude in this spot, affecting the
biology in this area, but also looking at it in a sensible way and thinking, is an eventual potential building of this caliber suited for an area that is mostly single family homes, that borders a park, a high school, isn't necessarily on a main artery, and all of the other issues that we've looked at as council for the last little while. We held a public meeting with our urban planning committee to look at and to answer some of these questions, where a series of questions came in from citizens that were concerned, and all of them had concerns regarding this project. Today, we will either pass or not the first reading of this potential zone change. And I think we will be able to answer some of your question during the reading of our resolutions. And I think it falls in the 40s, which shouldn't be long from now. And we'll be able to do that. But please understand that this is something that we've done in a democratic, transparent way to allow exactly that. The implication, engagement, and involvement of not only the people who want to build eventually there, but also involve the public. Something that you've done tonight and something that many others have also done, voicing their concerns, as we have as well in the past, to the different stakeholders as we've moved forward through this whole process. So thank you very much for taking time to ask us this question tonight, and I hope you and your family are well. Madame Gertrude Amarica, I am wondering if there is any way you could find a different spot for this retirement home that you were planning in this beautiful space. We need the trees for oxygen and the animals needed to live. I'm sure there is an empty parking lot somewhere that can be used instead. Thank you so much for hearing my voice, since animals cannot speak. Well, again, I thank you very much for taking the time to write us, Mrs. Amarica. Again, it's a very similar answer to what I just said earlier. Also know that this was a proposal that we were looking at for the corner of St. John's and Pierrefonds Boulevard a number of years ago. And it was in the parking lot to replace, for example, the old Morelatos supermarket. And then we had the floods. And then that sector of Pierrefonds Boulevard and St. John's appeared on a flood map from Quebec, which prompted the developer to look at other potential sites in our community. That one being one that they were interested in because it looked like a feasible spot. We always take the time to work with our economic resource whenever we have potential development in our community, to really survey our community and to know and to look beyond the location that's really cited and try to find suitable locations that may be able to accommodate not only this, but other types of commercial or institutional use buildings. And this will continue. And so there are potentially other sites as well. However, anyone that is interested in developing in any community always, of course, requests or has a choice, a specific choice in terms of where they want to go. What we do as an elected body and as a public entity is we go through the process, the democratic process, to allow them at least to be able to propose or to request from the borough, and in this case, a zoning change to accommodate something like this. And it is our duty, our responsibility to go through that process. Why? Because it not only sheds some light for us as an elected body, as an administration, to be able to make the right decision, but it also allows for the citizens who have clearly indicated their desire to be able to get involved as well. And we've done this numerous occasions. We've also purchased land, of course, with Montreal through the years. I can name them for you here. You can call us and we can tell you them. But we've done this strategically. Every time there's been a plot of land that's been available,
We've looked at opportunities to be able to buy it, to maintain its natural environmental state, but also to benefit the residents that live bordering these types of plots of land. And so that's the question, that's the answer regarding your, yes, there could be other areas that were and could and will be explored. And that is something that we do on a regular basis, anytime there is someone that is interested in developing anything, whether it be a senior's home, condo buildings, a business, or anything else. So thank you very much for asking your question tonight, and I hope you as well are well with your family. Mr. James Bond, recently the borough has distributed a flyer, our dépliant, prominently showing the mayor and borough councillors and highlighting their perceived accomplishments. What use does this serve the borough citizens who paid for it? Mr. Bond, thank you very much for taking the time to write us, and I hope you as well are well. In fact, the flyer that was distributed to the doors isn't about perceived accomplishments, it is about accomplishments. And it is about informing our public, continuing to stay connected with our public, to make sure that they understand that work is still carrying on, not only from past accomplishments that we listed that is only a partial snapshot of what is done in the borough, because there are many more that we could have added to that list, but it is also an opportunity as an administration to be able to showcase what are some of the other major projects that are in the works for the upcoming year. A lot of communities, a lot of boroughs, whether it be in our party or not, distribute these types of flyers within their communities to inform their public. One other reason why we decided to do this is because for the last year, we haven't had a revue municipale, which is our every 3-4 month newsletter booklet that goes out and is distributed to people's doors, which essentially talk about all these issues, but also talk about programming and other community-minded issues that could be of interest to the residents. This was paid fully by our political party, and no funds came from the public coffers of the borough, nor the taxpayer. In this time during a pandemic, Mr. Bond, it is very difficult for many to keep our spirits and our hopes up, and we thought and we believe that sending something like this to people's doors will also give them some hope in terms of what projects we have coming up and allow them to see that even though we're in a pandemic, all of us, including our administrators that are online with us tonight, are working tirelessly and very hard to make sure that we continue to provide the necessary services and keep us all living the quality of life that we're used to. So that is the answer for your question. And again, Mr. Bond, thank you very much for taking the time to write me tonight. Alors, la dernière question ce soir nous vient de Mme Martha Bond regarding the fast-track adoption of tree zoning changes this month on pages 3, item 4.040506, 300 plus unit, 8-story collective housing to cut down the forest on Alson Laving, a 7-unit row house next to single-family residence, and a school, and removing a lovely wooden playground of the daycare, plus a major zoning change in February, replacing Camille Florist with a 250-unit, 8-story, mixed commercial condominium. Why is the council doing this? These projects will negatively affect the planned quality urban fabric of the area, as well as neighbors or clients. Thank you, Mrs. Bond, for your question. And I'll answer it as best I can. And we would be happy to talk about this again in the future to look at any other issues you may have regarding these and any other files that we pass, not only tonight, but in future monthly meetings. We talked about fast tracking. By no means are we fast tracking. This is why we go through the process.
and the required approval process for items 4004, 05, and 06 are necessarily subject to a referendum process should the council decide to further engage it. The same is true for the zoning change approval process for the Camille Flores land site. Should the zoning change allowing for a residential multi-H3 building be passed, the final architectural design for the project, which is the PEIA, will be presented at a future planning advisory committee. In its newly established written consultation and virtual webcast formats. So we, again, as I mentioned to the previous questions, we have a duty, Mrs. Bond, and a responsibility to go through the democratic process that is put in place by us in other cities and boroughs to be able to invite you, as you've always done, thankfully, and others to be involved in the projects that are presented to us, to voice your concern, your opinions, which are welcomed, and to be able to work with the folks that are presenting all of this to get it right and to make sure that at least what is being proposed makes sense in our community, as we always take into consideration as well. So again, I thank you very much for your question, Mrs. Bond. That is the answer to it. And I hope you and your family are well as well. Merci, Madame Corbeil. Ça nous amène maintenant à l'ordre du jour. On est rendu à 10.03. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose. Oui, j'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 10.04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 11 janvier 2021. À 19h. Je propose, Monsieur le maire. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, merci. 15.01. Que le conseil confirme la participation de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à l'événement Une heure pour la Terre 2021, qui se tiendra le samedi 27 mars prochain de 20h30 à 21h30. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Madame Leroux, merci. 15.02. Que le Conseil adopte la déclaration d'engagement contre l'intimidation envers les élus et élus municipaux et la dégradation du climat politique dans de nombreuses municipalités, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Je propose. J'appuie. Madame Leroux et Madame Talbot, merci. 20.01, que le Conseil octroie une subvention au montant de 300 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme Les Amis de la santé mentale banlieue Ouest. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 20.02, que le Conseil alloue une somme de 2000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 au coût d'exploitation annuel 2021 au Conseil des aînés de Pierrefonds, ce budget étant administré par la Division Culture, Bibliothèque et Développement social. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 20.03, que le Conseil alloue une somme de 2000 $ provenant du budget de fonctionnement 2021 au coût d'exploitation annuel 2021 du Conseil jeunesse de Pierrefonds, et ce budget étant administré par la Division Culture, Bibliothèque et Développement social. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, merci. 20.04. That the Council grant a subsidy in the amount of $3,000 from the 2021 operating budget to the AMCAL Family Services Community Organization and to authorize Ms. Louise Zampini, Head of Division Culture, Libraries and Social Development, to sign the agreement on behalf of the city. I propose.
I concur. Monsieur Gignac, Madame Leroux, merci. 20.05. Que le Conseil verse des subventions provenant du budget de fonctionnement 2021 aux organismes sportifs suivants pour la saison 2021 pour le montant indiqué en regard de chacun totalisant 65 050. Académie royale de tennis Pierrefonds 2053, Association de basketball Brookwood de Pierrefonds 6927, Association de hockey mineur de Pierrefonds Inc. 14351, Association de soccer de Pierrefonds 15 000 $, Club de badminton de l'Ouest de la ville 577, Club de badminton Pierrefonds 507, Club de baseball de Pierrefonds Inc. 5842, Club de patinage des Deux-Rives, 8715. Commission de Régnette de Pierrefonds, 2362. Fondation Jeunes Étoiles, 3968. Karaté Do Pierrefonds Roxboro, 1269. Ligue de football North Shore Inc., 3479. Et que le Conseil autorise M. Jason Richard, chef de division sport, loisirs et installations, à signer les conventions au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Merci, Mme Leroux. Mme Talbot, 20.06. Que le Conseil consente à l'application de la clause de renouvellement de l'entente de collaboration entre l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période supplémentaire de 3 ans. Soit pour les années 2021, 2022 et 2023 selon les mêmes termes et coûts. Autorise le directeur d'arrondissement, M. Dominique Jacob, à signer l'entente et verse une contribution de 5 543,76 pour chacune des 3 années avec ajustement aux besoins de pour 2022 et 2023 selon la population recensée. Je propose. J'appuie et si vous me permettez, Monsieur le maire, d'intervenir. Une seconde, Monsieur Langevin. Je voulais parler un peu de qu'est-ce qu'on fait à l'arrondissement en préparation pour les inondations potentielles de cette année. Comme on fait depuis 2017, on achète de l'équipement, on obtient l'expertise, on essaye de trouver des solutions, on met l'équipement en place. On loue l'équipement si c'est nécessaire. On a des contrats déjà pour les pompes nécessaires et on travaille avec la Ville de Montréal pour… on essaye de trouver des solutions vis-à-vis soit l'équipement, soit de la location des pompes pour les prochaines inondations. Une chose est sûre, que depuis 2007, on a appris beaucoup à l'arrondissement concernant les inondations et on fait le plus possible pour protéger la communauté et on va continuer de faire exactement la même chose comme on a fait en 2018, 2019, 2020. Ça va continuer jusqu'à temps qu'on a des solutions permanentes pour protéger notre communauté. Ceci étant dit, je ne sais pas les détails encore de l'annonce du gouvernement et la Ville de Montréal. Mais pour le moment, je vais prendre le temps avec l'administration ici à l'arrondissement pour prendre connaissance de ce document et de voir qu'est-ce qui est proposé pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. C'est sûr qu'on n'était pas contacté. C'est sûr qu'on n'a pas de nouvelles de nulle part qui nous disent qu'est-ce que la Ville ou qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire chez nous à Pierrefonds-Roxboro pour protéger les secteurs. Et on va essayer de trouver l'information qui concerne notre arrondissement. On cherchait toujours les installations permanentes, digues naturelles, murets, expertise en plus pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas ça qu'on a attendu aujourd'hui pour le moment. On verra à partir de demain. On va conclure par la suite pour dire qu'est-ce qu'on va faire. So, very briefly,
concerning the flooding in Pierrefonds-Roxborough. As most of you know, since 2017, our community has been hit hard by flooding. 2017 being a historic year, unfortunately made us go through a very difficult time, and the citizens that were particularly affected by the flooding, especially on the shoreline, businesses that had to close in the center core of our city, sewer backup and so on, storm sewer backup and so on. And so having said that, we learned a lot from that incident. We gained the expertise that was necessary. We went ahead with our own purchasing of the necessary equipment to make sure that if we had to deploy and we had to install the necessary equipment, we made sure that we had it in place and all the safeguards so that we were able to do that successfully or as best we could to minimize any of the impact that we saw in 2017. And we have been successful since 2017 in doing that in 2018, but especially in 2019, where we were at risk for heavy flooding. We minimized that to minimum number of homes. Unfortunately, some still did get flooded. We continued to purchase equipment. We did again this year. And we continue to monitor what is in the market for us to be able to provide the necessary security, not only to the individual homes, but to the sectors, the complete sectors that were completely inundated. Today, there was an announcement by the federal government, I believe, that we got word of through some of the social media feeds and the news, and heard that Montreal was investing throughout the island to reinforce shorelines with the planting of vegetation and trees. We haven't been contacted by anybody here in Pierrefonds-Roxborough to know if anything is projected here in Pierrefonds-Roxborough. I suspect that there may be something planned for Cap Saint-Jacques, which is in the western tip, in terms of reinforcing the shoreline. And that is always a welcome initiative, of course. But what we're looking for and what we have been looking for the longest time is permanent infrastructure to be able to protect not only the individual homes, but the sectors completely. And we're going to take some time to look at this information that has come down today and evaluate it thereafter and come to our conclusions to see, first of all, why we haven't been contacted and what are the plans for Pierrefonds-Roxborough. So, Monsieur Langevin, vous avez quelque chose à ajouter? La Croix-Rouge s'occupe des sinistrés, des gens qui ont vécu le drame. Mais je veux prendre un petit moment pour le 20.06, mentionner qu'il y a aussi une initiative citoyenne en parallèle à tout ça, comme vous avez pu en témoigner le 19. Et je voulais dire au conseil, je voulais dire aussi à nos citoyens que notre conseil va toujours être là. Si la situation se représente. If the situation presents itself again, today we're passing the Croix-Rouge, which is, Croix-Rouge also recruits volunteers, but Croix-Rouge is really for the people who went through the floods and require some specific support and accompaniment relative to any governmental put in relationship. So, what I'm talking about right now is really about the citizen initiative and to reiterate to our population that we will be present in any of those circumstances ever occur again. Thank you. Merci, Monsieur Langevin. On est rendu maintenant à 20.07. Que le Conseil accorde une contribution financière de 4 500 provenant du budget de fonctionnement 2021 à Vert Cité pour la gestion du programme de subvention de couches lavables pour le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough et autorise Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 20.08. Que le Conseil accorde des subventions totalisant la somme de 70 000 réparties comme suit. 45 000 à l'organisme communautaire Action jeunesse de l'Ouest de l'île pour le projet Open Gym Pierrefonds et 25 000 à l'organisme projet de prévention des toxicomanies
Cumulus dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2021 approuve les projets de convention entre la Ville de Montréal et chacun des organismes établissant les modalités et conditions de versement de ces subventions et autorise Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer les conventions au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Leroux, merci. 30-01. That be approved the accountability report in the amount of $255,839.04 for the period from November 28th to December 31st, 2020. I propose. J'appuie. Madame Leroux et Madame Talbot, merci. 30-02. That the council appropriate a maximum sum of $80,000 of the reserve fund destined for purpose of parks of the borough of Pierrefonds-Roxboro in order to finance retroactively to January 1st, 2021, purchases of trees and plants to plant on the territory of the borough of Pierrefonds-Roxboro. I propose. I concur. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 40-01. Que soit adopté le règlement CA 29-0040-45 afin de modifier la modification des usagers principaux du règlement de zonage CA 29-0040 afin d'y ajouter les codes d'usage associés à l'industrie et à la vente des produits de cannabis. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Gignac, 40-02. Que soit adopté le règlement CA 29-0040-46, modifiant l'annexe C, plan de zonage du règlement de zonage CA 29-0040, afin de retirer de la zone H3-3-195, qui est H3 habitation multifamiliale de 4 logements et plus, H4 habitation collective, les lots mentionnés dans la résolution, situé du côté sud du boulevard de Pierrefonds entre les rues Grillé et Décageux et de les inclure à la zone H3-3-196 qui est maintenant le H1 habitation unifamiliale, H2 habitation bifamiliale et trifamiliale qui est le H3-H4. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac et Monsieur Langevin, 40-03, c'est un avis de motion et donné par le conseiller-conseillère de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA 29-0123-1, modifiant le règlement CA 29-0123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021 afin de modifier les tarifs relatifs au chapitre 4, ingénierie, et au chapitre 6, occupation du domaine public, dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Merci. On est rendu à 404, Mme Corbeil. Oui, alors 40.04. Attendu que la construction d'un nouveau bâtiment collectif H4 de 8 étages sur les lots 3,564,107 et 4,430,035 du cadastre du Québec constitue une incompatibilité d'occupation avec son milieu d'insertion. Attendu que le projet, de par sa volumétrie et sa densité, crée un impact important sur les voisinages résidentiels et médias du secteur. Attendu l'impact du projet ayant comme résultat une perte du couvert forestier sur le site. Il est proposé, appuyé et résolu que malgré la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme suite à sa consultation publique écrite et sa diffusion virtuelle web du mercredi 3 février 2021, la demande de PPC Moi relative à la construction d'un immeuble d'habitation collective H4 de 8 étages en zone B5-328, boulevard Anselme-Lavigne, sur les lots sous-mentionnés, soit refusée conformément au règlement CA 29-0045 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. Mesdames et messieurs, nous avons décidé ce soir d'incliner l'offre du projet de résidence pour personnes âgées à l'intersection d'Anselme-Lavigne et la rue Richemont. En effet, dans le respect du processus et suite à l'étude effectuée, nous avons décidé d'arrêter le processus à son étape préliminaire. À titre de rappel, nous avons déjà fait les démarches auprès de la ville-centre pour l'acquisition de ce terrain dans le passé et nous compturons donc dans cette perspective d'achat et d'entretien puisqu'il y a une majeure de détérioration du site. J'en profite ce soir de condamner les sorties de l'administration de Montréal et le Parti Projet Montréal qui veulent faire la politique avec ce dossier. L'administration ne nous a jamais contactés pour en discuter. Au contraire, l'administration a fait plusieurs sorties en s'ingérant dans notre gouvernance. C'est dommage. Nous avons appuyé notre devoir d'étudier la demande du promoteur par le respect au processus, tout en étant à l'écoute des résidents riverains. D'ailleurs, comme on fait pour beaucoup, beaucoup de dossiers ici à l'arrondissement. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres arrondissements, mais ici, c'est ça qu'on fait. Nous travaillons dans l'éthique et le respect de la démocratie. C'est pourquoi nous avons étudié le projet. Cela dit, nous continuerons à travailler avec pas juste ce promoteur, mais des promoteurs éventuels afin de trouver d'autres endroits qui peuvent accueillir ce projet dans son envergure et ce, dans le respect de notre plan environnement et notre philosophie humaine. J'aimerais rappeler que nous tenons à encourager le développement de ces résidents dans notre arrondissement afin de permettre de combler un besoin crucial et de garder nos personnes âgées au sein de notre communauté, tout en ayant accès à tous les services nécessaires pour leur confort et leur bien-être. So tonight, ladies and gentlemen, we have decided to reject this proposal for a zoning change on the site of Anselme-Lavigne in Richmond. And in fact, respecting the process and putting an end to it while we're in this extremely preliminary stage. Just to be clear, this is a property that we have tried to have purchased by the City of Montreal on occasion, and we will continue to follow that path to ensure that once and for all, this property is protected. I'm also going to take the opportunity to speak about the administration's actions on this file. To politicize a file, to assume that there was a project that we were approving when they know full well that the administrative process, the bureaucratic and transparent democratic process, is something that we do here on a regular basis, and we continue to do this even for files that we're not 100% sure of. To give an opportunity, not only for the developer in this case, to be able to provide us with the necessary information before we go any further, but also to allow for our residents in a transparent manner, as they did get involved, to be a part of the solution and to be able to assist in the decision making of our community and what they want in it. Something that I'm not sure works the way it does in other areas of Montreal.
And I am completely, again, shocked that an administration cannot pick up the phone to speak to any elected body anywhere on the island to discuss this or any other file that may be something that can be worked in a collaborative way. Instead, they choose to go on social media and assume and judge the governance of what we do here in Pierrefonds-Roxborough. It's actually quite disheartening because all of them know that in their own boroughs, they should also be able to do this too. And I would hope that they do because I believe that we're all there for the same reasons, and that is to provide services to our communities. So after we looked at not only what was proposed for this site, if there ever was a zoning change, the, of course, environmental impact, the biological report that we received during the CCU meetings on Wednesday, the comments by the residents, and I thank them sincerely for being involved, and we had members of the coalition there as well that have a role to play, as they've done in the past, not only in our community, but in other communities, to preserve and to save green spaces. And I commend them for that. Everyone got involved. And the reason folks were involved was because we put a system in place to allow them to be a part of the solution and not unilaterally decide behind closed doors something that maybe the public would want to hear. And so we stand by this decision tonight, and we're quite happy about it, knowing that the zoning change will not take place. However, as I mentioned earlier, we will continue to work with our counterparts in Montreal, and we will hopefully get a positive reply on their end to purchase this lot. As we had mentioned, we had asked years ago, that never materialized for many reasons, and now we're here where we are, and we would like to look at that and move forward and try to save that piece of land, not only for the neighboring community, but for all of us, as these lots are quite few and far between. And we've demonstrated this in the past with the purchase of others that we've done through the years to make sure that we continue to maintain at least the environmental aspect of our local residential communities. Merci. On est rendu maintenant à 40.05. Que soit adopté le premier projet de résolution PP-2021-002 en vertu du règlement CA-29-0045 sur les projets particuliers de construction et d'occupation d'un immeuble, qui est le PPC Moi, visant à autoriser l'implantation d'un nouveau bâtiment multifamilial H3 de 2 étages, comprenant C5-294-1 au 13357 boulevard Gouin-Ouest, du côté nord entre les rues Henri-Fabre et Belleville, sur les lots 1-368-287 et 1-368-288, et ce nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA-29-0040, que la tenue d'une assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation publique écrite d'une durée de 15 jours, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49 du ministre de la Santé et des Services sociaux pris en vertu de la loi sur la santé publique. C'est le 40-05. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40-06. That be adopted first draft resolution PP-2021-003 by virtue of bylaw CA-29-0045 concerning specific construction and occupancy proposals for an immovable, authorizing a new two-story detached single dwelling construction H1 use in the C5-298 zone on projected lot 6363-354, fronting on rue Raymond,
and that notwithstanding any contradicting provisions of the zoning bylaw C290040, that the holding of a public consultation meeting be replaced by a 15-day public written consultation procedure in conformity with the provisions of the Ministerial Order number 2020-49 taken by Minister of Health and Social Services in accordance with the Public Health Act. I propose. I concur. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 40-07. Que soit approuvé le procès-verbal de la réunion du comité de signalisation et sécurité routière tenue le 10 décembre 2020, que l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds soit modifié comme suit. Numéro 1, rue Oakwood, que soit installé un panneau camion interdit, accepter livraison locale, accepter livraison locale sur la rue Oakwood au coin sud-est du boulevard Saint-Charles et sur le boulevard Jacques-Bizard au coin sud-ouest du boulevard de Pierrefonds comme indiqué au croquis 20-88-424-6 juin. Numéro 2, rue Rosemary, que soit déplacé le panneau existant cul-de-sac et installé à l'entrée de la rue Rosemary du côté ouest. Que soient retirés les panneaux sauf détenteur du permis et ajouter les panneaux stationnement interdits des deux côtés de la rue, comme indiqué au croquis 20-13-2777, 6 juin. Numéro 3, rue Jordy Bonnet et Laurent Coderre. Que soit ajouté un panneau cul-de-sac à l'entrée de la rue Jordy Bonnet du côté ouest. Que soient installés les panneaux stationnement interdits du côté ouest des rues Laurent Coderre et Jordy Bonnet et du côté de la rue Jordy Bonnet sur une distance de 35 mètres du boulevard Gouin-Ouest, comme indiqué au croquis 20-13-3028, 6 juin. 4 rue Lauzon, que soient installés les panneaux stationnement interdits des deux côtés de la rue, comme indiqué au croquis 20-14-4590, 6 juin. Rue King, que soient déplacés les panneaux existants cul-de-sac installés devant le numéro civique 4447 comme indiqué au croquis 20-5-15-28-22-32, 6 juin. Numéro 6, chemin de la rive boisée. Que soient installés des panneaux stationnement interdits du côté est du chemin de la rive boisée à partir du boulevard Gouin-Ouest jusqu'à 5 mètres après et au nord de l'entrée du bâtiment, comme indiqué au croquis 20-17-63-13, 6 juin. Rue Harryworth, numéro 7, que soient installés les panneaux stationnement interdits du côté nord de la rue Harryworth, 5 mètres avant le 5 mètres après la courbe, que soient installés des panneaux stationnement interdits face au parc du côté sud de la rue Harryworth à partir du début de la courbe du côté ouest jusqu'à l'extrémité et du parc avant le numéro civique 14420, comme indiqué au croquis 20-17-64-26, 6 juin. Numéro 8, chemin de la rive boisée, que soient installés sous chacun des panneaux arrêts les panonceaux correspondant à la configuration de l'intersection, comme indiqué au croquis 20-18-0093, 6 juin. Numéro 9, rue des Palefrenières, je m'excuse, et du trottoir, que soit fait le marquage des passages pour piétons sur la chaussée, que soient installés des panneaux, signal avancé de passage pour piétons et passage pour piétons sur les rues de Palefreniers et du trotteur vis-à-vis le sentier piétonnier comme indiqué au croquis 20-25-26-18, 6 juin. Je propose. J'appuie. Merci, M. Gignac, Mme Leroux. Ça nous amène à 51-01, que Mme Soha Khalil soit nommée membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme sur un mandat d'une durée de 2 ans, soit le 9 février 2021 au 31 décembre 2022,
conformément aux articles 2 et 11 du règlement CA 020014. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot. Madame Talbot, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben, je souhaite la bienvenue à Madame Khalil. Elle sera là et elle complétera lorsque le comité n'est pas au nombre 6. Lorsqu'on siège au comité consultatif d'urbanisme, j'aime bien que la table soit là au complet. Alors, il y a 6 membres de la communauté. Alors, je souhaite la bienvenue à Madame Khalil qui se joint à nous comme membre supplémentaire. Merci. Bravo et merci. 51-01. Ah, pardon, 60-01, que soit déposé au conseil municipal le bilan annuel 2020 de l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough relatif à l'application du règlement 04-041 de la Ville de Montréal sur l'utilisation des pesticides. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot et M. Langevin, ça nous amène à 70-01, c'est la levée de la séance. Je la propose. J'appuie. M. Langevin et M. Gignac, ceci met fin à notre conseil pour le mois de février. Soyez prudents, tout le monde. Be safe, everyone. This puts an end to our February council meeting. Please feel free to follow us on all the social media feeds, of course. Our website, feel free to call us. We're there at your disposal. And we want everybody to be safe, and we will get through this together as a community. Merci beaucoup et bonsoir à tous.